La police fait chef gang Ti Makak mordé doit être poussé li. Mouché a pensé c'est li tape toujours devant dans question attaquer moun série dans pays a attaquer la police. Yon paquet bandit tombé dans cadre opération si là, gen 3 policiers qui blessés dans affrontement, gen zam que la police arrivé récupérer, yon bonne machine saisie ak yon motocyclette. Opération Saté en main dans cadre yon kidnapping que la police tape déjoué dans zone Thomassin qui nèg Ti Makak yo tape pral fait et pas ti causer non m'ral bon tout détail. L'autre dossier encore Armel Lafleur Jean Saté prévoit pas mettre pied dans paquet de Port-au-Prince. La marron pour pas prendre code et bien avocat lui mandé avec commissaire gouvernement pour envoyer invitation mais convocation pour un intervalle de 15 jours. Commissaire a pas elle pas attendait les boudé et Armel pas qu'à quitter pays d'Haïti. Bois maré ou l'essayer. Bral bon tout détail et gon tremblement de terre qui frappait département Grandance. Comment ça y est? Restez là. M'bral bon tout causer parce que information nan dépla même là, m'bral jos la gueule nan kotof l'estomac. Mes chers amis, chef gang Ti Makak qui pensait c'est lui-même qui se met essayer dans zone la boule m'capable di pi ou Pétionville, tout ça son nèg qui pas manger rien qui fret nan question fait mauvais acte, nan question touyer moun sérieux. Mais Mouchéa li modé doit pousse li après on kidnapping qu'elle te prévoit faire son citoyen dans localité Thomassin. La police qui joint information à temps, la police qui joint données à temps, la police te geta mette pied la terre pour te toke kon ensemble avec soldat Ti Makak. C'était une opération qui pas facile dit tout pour la police, mais suite avec bon technique tactique, on prend une stratégie que nèg yo te apprendre en dans école nationale de police, yo sorti vainqueur. Et m'dou c'est pas ba équipe ti parce que même gens la police pas fait bandi cadeau, bandi a lui même li plus toujours pas veut faire la police cadeau. Qui donc c'est camper goumel li tonton. Et ben gen 3 bandits dans Ti Makak qui tombé tête nous mes chers amis dans cadre échange de tir, gen 3 policiers qui blessés en bas balle bandi Ti Makak yo, gen zam la police arrivé saisi en gros on prend fusil by Fanny Good Fan to Boudis et se reprendre et gen 4 machines si moi m'pas fait défaut que la police arrivé récupérer dans cadre opération. J'aime dit nous opération li pas petit dit tout mes chers amis. C'est un bagay, comprendre c'est camper goumelier tonton, c'était une opération franchement sans question de graines nan dada. Et faut me dire tout, gen en motocyclette la police arrive récupérer, mais opération ça, j'aime te dire dans le commencement, c'est parce que nèg Ti Makak yo t'a planifié pour enlever un citoyen paisible dans la communauté, dans la zone Thomassin, la police arrive, Dieu merci, kidnapping nan li déjoué. C'est ça qui me capable dit. Nous connaissons très clair que bandi sa yo nèg yo senti yo à l'aise dans la communauté ya. France LB malgré toutes vieilles paroles qui ont été capable dit, moi-même ça me capable dire big up. Vous avez respect pour vous parce que le travail qu'on fait là, si nous avons Léon Charles qui travaille comme ça, nous garantissons. Le président Jovenel n'a pas mouru. Depuis son premier appel, le président Baïmouchéa, il a venu, ce n'est pas lui-même qui a informé le public là que Jovenel mourit. Ce n'est pas job ça qui s'allie lié, les bons journalistes. Ils ont pris là pour le défendre. C'est le premier bodyguard président Jovenel. C'est ça le théier, mais malheureusement, ce n'est pas l'amener. En tout cas, France LB continue à faire travail comme ça doit. Population avec vous parce que opération ça qui t'en met dans la localité Thomassin, c'est grâce avec G4 population qui te baille la police là, bon gens donné, bon gens information qui te fait la police arriver à temps, et bien pour la police lui-même, tu es capable de arriver sur les lieux, puis sortir de là pour te démasquer Ti Makak. Bravo la popo et Ti Makak mabdou ça année ça a mauvais en pile nan voix Tito Obran et André Michel. Ania mauvais en pile pour bandi yo, raison parce que mon cher Ariel Henry li gen ça comme une obligation, li gen ça mes chers amis comme un impératif pour le faire année si là, une année électorale. Et pour gagner élection, pour qu'il y ait élection dans ce pays, il faut que gagne sécurité. Pour gagner sécurité, ces gens nous la police a d'emblée là, ces gens ti monsieur la mi ou d'emblée là, ces gens force militaire étrangère après pour l'homme sous nous là nan voie tiblode yo en gros bout de bête, c'est comme ça baga la après lié pour Anissa là. C'est pas pour sans raison qu'il me dit Anissa la mouvi en pile, mes chers amis, pour bandits, pour malfrats, pour zinglins d'eau, pour sanguinaires, tout notre vieux nom qui est capable de bailler, tout déviant de la société. Bravo encore une fois. Chaque fois la police fait un coup de filet, songez écrit bravo la popo. L'autre détail, mes chers amis, pasteur Armel Lafleur, monsieur prend 100 code là. Et selon information qui me gagne, monsieur risque prend plus que 1 an en prison. Pour ça qu'il aurait pour Chil, parce que monsieur a fait Zach qui pas honnête. Monsieur a fait des bagailles qui pas moral, qui pas rien pour avec éthique. En tant qu'un pasteur, en tant qu'un monde qui dit son évêque qui a plaisir à l'église, qui l'a géré dans le pays d'Haïti et à l'étranger. Nous connaissons que le commissaire gouvernement Jacques Lafontaine te bail monsieur une invitation, on prend une convocation, car il est comme ça parce qu'il faut qu'on vienne pour te paraître devant, dans le moment où je parle avec nous là, eh bien, pasteur Armel Lafleur a marron commissaire et staff avocat Armel Lafleur mandé commissaire gouvernement Port-au-Prince là pour que l'invitation et convocation qu'elle te fait à l'encontre des pasteurs Armel Lafleur, parce que la pédiment était petite, fait gros scandale sexuel dans mitan l'église là, lui demandé pour convocation ça, pour renvoyer pour 15 jours. Commissaire, les pas ou pas attendait, il pas d'accord avec décision si là. Mouché a dit, 9 janvier kap vini là, si Armel Lafleur pas vini, il a débarqué. Vous entendez? 9 janvier, c'est date qui kembe pour Armel Lafleur paraître devant commissaire gouvernement Port-au-Prince, le paquetier Jacques Lafontaine. Au cas dit tout sauve Jacques Lafontaine, mais l'el bon, faut ou dit le bon. Et m'a dit ça tout, Jacques Lafontaine allait plus loin. Tel temps m'a montré nous bagala pire là mes chers amis, la dépasser grave. La dépasser esquisse crier que Armel Lafleur écrit, la dépasser ça mes chers amis. Parce que commissaire Port-au-Prince là, monsieur mandé ensemble avec OM capable dit ministère des cultes pour capable où était licence que mouché Armel Lafleur gagne en tant que berger, en tant que pasteur? Où était licence, on comprend, pour monsieur suspend agir en tant que pasteur? Pour comportement immoral qui a troublé la société. Et le commissaire allait plus loin pour le souligner. C'est le ministère qui prend le gain pour déterminer pour combien de temps décision ça a en main. Qui donc, dans le minimum, parle avec nous là, Armel Lafleur presque pas pasteur encore. Armel Lafleur presque perdu leadership qu'elle te gagné dans l'église portée droite. Mais c'est pas que c'est l'église, mais c'est chargé l'église. Décision ça, son décision qui faut oui, qui a mis plus de l'eau dans Armel Lafleur oui. C'est pas pour sans raison où elle fait petite li. Bon on vient parler ensemble avec grand public malgré ça, on balle pas parti non parce que ça Armel Lafleur fait là, il dépasse en cadre familial. Ça Armel Lafleur fait là, il dépasse entourage li. Son bagage, on capable dire pays d'Haïti a parlé de lui, international a parlé de lui. Est-ce que vous comprenez? Monsieur capable prendre code, mes chers amis, dans le jour qui vient là. Vous avez samedi là, monsieur capable prendre code. Et m'a dit encore, m'a aucune façon. Dans le pays, même faut me parler, m'a pas d'informations, mais faut me limer, faut me limer projecteur, faut me limer, faut m'ouvrir genou, caler genou. Pas aucune façon pour on est qui dit honnête, pour on est qui dit crédible, pour on est qui sont père de famille, pour la défendre parce que Armel Lafleur suite avec ça le fait. L'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Est-ce que vous comprenez? Soit faire là, c'est là dans le bon manger. Soit cuit là, il là dans le bon goûter. Ça est important. Pour date, monsieur font pas qu'être escombrite, ils font pas qu'être fidèle, tête marie, tête bochette. Est-ce que vous comprenez? Qui toujours essayer de défendre. Mais cette fois-ci, la justice saisit dossier ça. Et dossier en main, Jacques Lafontaine et Jacques Lafontaine très austère, trois gros mots. Monsieur m'a pas menti, tout front, maré, toute figure sémine. Suite avec ça qui passe là. Qui donc bagala vraiment compliqué mes chers amis pour pasteur Armel Lafleur qui connaît un mauvais moment malgré famille camp avec lui ouais l'église a camp avec lui là mais l'église a pas qu'à ouéter comme ça qui pasteur Armel prévoit prendre non mais il prévoit prendre parce que selon information qui est nèg tu peux la gagner dans bon petit gobelet Amel qui arrivé dans paquet de Port-au-Prince il pas tourné avocat l'a tourné monde qui était accompagné le ami fidèle a tourné mais Amel qui pas tourné. C'est pas qu'elle saute non, mais c'est ça le faire, les bras obligés de payer pour ça. Et m'doul ka pran plus passer yon l'année prison. Imaginez, yon juge, si yon papier pour y aller mettre dans pénitencier pendant yon l'année, ou qu'on est yon 1 ça, kagon 0 qui vient dans dol, kagon 5 qui vient dans dol, man sou comprendre la réalité actuelle pays. Comme son gros autobré, bon, par contre, on est tous mes chers amis, mais ce qui est important, ça Armel Lafleur fait, il se pose pini Et même Jean, commissaire Mandel, alors on parle là dans voie commissaire, lui demandé pour être licence pasteur ou bien théologien que pasteur Amel gagne pour le 6 mois de pasteur dans le pays d'Haïti. Mais décision ça, c'est le ministère des cultes qui va le connaître pour combien de temps l'a kembe. L'autre détail, mes amis, ou quoi dans cette avenue frappé là, 14 août 2021, en pile l'eau langée, en pile moun mouri, en pile kaïkazi, en pile de blousailles, mais faut me dire, bien bonne jodi a, Grandas qui frappé. Ah oui, Grandas qui frappé, 3 secousses. 3 secousses, oui, gagne une qui gagne, et Maïtid, nous capable de dire 3-9, 3-6, on prend 3.6, est-ce que vous comprenez? Et mes chers amis, faut me dire, bagay ça passé bien bonnet, gen moun ki te nan kaban nou, nan moment ça passé ya. Bloc c'était 31, c'était 37 et puis 3e nan ta pral passé 9h11 nan matin. Ça ta pral provoquer gros choc la kay moun yo pou yo di ou que ou ka prendre l'autre séquence encore, j'en te paraît 14 août 2021. En tout cas, Dieu seul sait, c'est lui même qui connaît. Bon Dieu pa m bay peine sans sekou. Mais m'a dit ça le grand moun il fait avec Jean Blé catastrophe naturelle, moun pa ka wete ça. Moun pa ka interdit ou ka faire prévention pour pas victime. En tout cas, comme tremblement dit, li la, ba kon kote l bral basé, ba konnen mais l souke nou. Li vraiment important pour nous prendre toutes mesures nécessaires pour éviter gen plus de cas qui enregistré par rapport avec ça qui fait 14 août 2021. Pile moun mouri. Et c'est goudou ça, selon information selon expert yo. Ça qui t'est passé 12 janvier 2010 là, ça qui t'est passé 14 août 2021 dans grand danse là, dans grand sud là en soi, si c'est li passé 14 d'août là, et Port-au-Prince, nous pas bien côté pour nous compter cadavre. Parce que il était plus fort, je comprends, et capable de dire magnitude là était plus haut, mes chers amis. En tout cas, bagarre la compliqué. Et bagarre compliqué et je regarde là, nous style continue à mal construit. Et de l'avant, malheureusement, c'est bat n'a fait. C'est stress qui a tué monde, c'est monde qui pas qu'à vivre, c'est insécurité alimentaire qui a augmenté chaque jour. Et c'est insécurité chaque jour passer dans une zone, son groupe gang en plus qui crée et dans en bas de population hein, monde capable abandonner caillou qui oblige à le recommencer en dépit de tout et gain monde qui décide malgré tout rester dans pays yo. C'est à soi ça, c'est à peut-être demander autorité yo tant pis s'il vous plaît, ba moun yo chance pour yo. Pour vivre parce que moun yo envie vivre m'a suivre dans mois de décembre malgré situation difficile ouais gen moun qui forcé sorti gen moun qui ouais yo envie ou ça quelque part moun yo envie vivre oui ou senti fièvre fin d'année pas gagner pas gagner vraiment les haïtiens t'es toujours envie vivre regardez quantité moun qui dans la rue qui a cherché la vie. Ouais, mon gars, on t'y bac dans tête li, c'est pas un pile bail la vendre on allait mettre la vendre on bail de rien. Ouais, c'est parce que mon ça lui-même li veut vivre dans la dignité, il pas venir ton côté pour ces moun capoter et l'argent capoter moyen, bah li en dépit de tout ça il dit de nous comme peuple, mais haïtien quand même était un peuple qui veut travailler, un peuple qui veut vivre. Pour résilience enragé, c'est première fois moi on peuple autant il assez de résilience pour supporter tout ça qu'a fait et ouais moun yo se prend la rue moun yo sorti gen moun qui a l'activité gen bal qui fait gen moun kal nan bal donc ouais moun yo envie vivre moun yo envie font activité yo envie reprendre vie normale yo mais malheureusement yo pas bonne opportunité a. Et nous dit ça dans le titre là, Martissant, il y a un blocus. Oui. 31 décembre. Oui. Et que ce soit Martissant, les gens qui pas passé Martissant, qui passent par Tarazio, qui passent Botinier, moi, je fais expérience pour faire d'année. Moi, quand pile machine qui passe en l'air. Et chaque. Ça qui est étonnant, c'est que chaque zone où passe, bon point pour bailler un cob. Et ceci, si fait 5 voyages, on paye même quantité comme là. Allez retour on paye. On faut payer. On paye. Pas capable payer. Pas bouger ou même monter là sur Port-au-Prince là donc ou t'es non ambiance Port-au-Prince. Oui, me toujours été ambiance Port-au-Prince là. Ambiance stressant. Oui, stressant donc on pas bouger. On est envie à Jacmel mais moi même pas après prendre pression Martissant et parce que monsieur toujours fait ça c'est vrai là il dit on fait la paix et monde qui traverse mais moi je voulais prendre ça donc je ne pas déplacer du tout m'étais je fait là avec toute frustration hein, toute la peur toute ça qui a passé pendant l'année 2022. Donc, moi-même, seulement je voulais rappeler que pendant l'année 2022, donc, peut-être ça nous dit matin là, nous dit déjà dans le bilan année 2022 que ça nouvelle Caraïbe réalisée qui passait et qui diffusée sur radio pendant tout 13 jours après 24 décembre. Donc c'était un bilan catastrophique, une année difficile pour tout Haïtien, ni ça qui victime, ni ça qui pas victime, parce que même pas victime physiquement, mais dans l'esprit où sont victimes, parce que chaque monde qui a circulé dans le pays là, considéré autant qu'on monde qui est kidnappé, tant qu'on monde qui recevra en cartouche dans la tête, et, parce que c'est à ça nous vivons pendant toute l'année, hein, et déjà l'année 2023 a commencé. Parce que même gens. Oui, parce qu'on a une démonstration de force que les gangs ont fait. On est là même parce que c'est fini, le dossier monsieur a été fini, puisque la police était à quelque part pour te mettre mes sous les. Pourquoi qu'on pas attendre monsieur osé sortir pendant la fête là, elle a défilé dans la base D. Donc monsieur, s'il était déplacé de tel côté, il était dit lié Thomasin, monsieur tourné, monsieur montré le tourné, la marché avec l'équipe. Donc ça, c'est des bails qui décourageant quand même. Donc pour et Mounsayo là, bon monsieur ça a particulier, il a toujours, donc ça a montré que par l'État, donc c'est autorité ou l'a défié. Oui, pas plus tard que hier, on a parlé à 11 amis dans la zone Thomassin qui dit moi avant hier, il y a un peu de monde qui quittait la caillou, il y a l'école dans l'air, il y a un peu de monde qui est obligé de dormir dans l'école tellement les gazam t'a tiré, théorisé population. Zone Thomassin n'est pas chômée. Il va chômer quand pile zone dans le pays, que ce soit dans plein, que ce soit Canaan. Et malheureusement, il y a un pile monde qui risque de passer dans Chablende, que ou obligé de payer. Qu'on y a Chablende de tout nos business dans zone Canaan pour traverser, il y a un pile monde c'est payé au PHA pour y traverser la donne. Ou du moins, il y a un monde qui besoin de faire marchandises passer ou bon prix. Chaque pour monde passer grand prix pour marchandise passer grand prix que chayo utiliser qu'on y a pour faire mon passer traverser canal gain monde en dépit de tout qui était besoin aller dans pays qui dans ville province et qui utiliser chayo pour traverser et qui payer mais ouais mon yo vraiment yo était envie on fête fin d'année yo était envie vivre mais malheureusement et autorité pas bonne chance ça et malheureusement encore nous recommencer. On a commencé une nouvelle année avec les mêmes difficultés, les mêmes nouvelles qui n'ont pas changé. C'est toujours le kidnapping, c'est toujours l'assassinat, c'est toujours le même bagaille. Mais on est là. Et en parlant de kidnapping, c'est cas kidnapping qui. T'as dit par rapport à Moun et au kidnappé qui fait plus parler, c'est Smith Mathieu, oui, ancien député païen. Il a kidnappé dans la zone Mariani. Oui, Mariani, c'est tout près de lui. Ils ont ensemble et puis ils arrivent à la pompe qui est Mariani. Dans la zone Bolaca, ils ont déposé famille, madame avec petite, ils ont mis à terre. Et puis, on continue à aller avec monsieur. On est tellement à l'aise. On a le premier kidnappé de 2023. Oui. Parce que ça nous connaît. Bon. Sinon, ça la presse connaît. Oui, on a premier. Oui, on a premier. Parce qu'il y a plusieurs autres que nous ne justement, on ne pas connaître. Mais à part de ça, la police a même annoncé le fait des 3 petits coups. Et parce que lundi, on a annoncé gagner 3 membres 400 Mawozo qui tombé, oui, et selon sa coordination presse, sa coordination publique là, qui dit que 3 bandits 400 Mawozo tombés, ils ont âmes la guerre récupérée dans Duval, dans la commune Croix-de-Bouquet, et gagné, oui, ça passé 2 janvier, dans l'échange que nous la police, présumé bandit ça ont mouru et un fusil d'assaut M16 force l'audio arrivé récupéré dans le cadre opération ça à côté gagnant policier qui est sorti blessé renforcer capacité opérationnelle la police là, et puis continuer mettre pression sur gang yo pour démanteler yo c'est 2 dans priorité recommandement à police nationale là, défini pour nouvelle année d'après la police nationale d'Haïti opération yo pape campé dispositif fait pour assurer une présence policière dans la rue a pas continué pour prévenir ou bien réprimer toute menace qui a pour objectif créer la troublade ou bien mettre de l'eau dans les familles haïtiennes. C'est ça la police nationale d'Haïti annoncé. Et hier, la police a annoncé également gagner 3 bandits qui tombaient, un fusil à 4 véhicules confisqués. Et ça a passé dans la zone Thomassin 32, côté la police l'a déjoué en tentative kidnapping et gagné 3 bandits qui fait partie gang Ti Makak qui mortellement blessé dans l'échange coups de zame avec la police. 3 policiers blessés, la police récupéré un fusil automatique, 3 véhicules là-dedans, une motocyclette. 3 policiers saillants fait partie de commissariat Pétionville selon information nous apprennent. Donc la police nationale qui dit déterminée pour renforcer patrouille et à check routine qu'a fait dans la rue pour empêcher malfrats continuer de terroriser population. Donc ça c'est bon côté la police nationale d'Haïti qui au même dit yo papa campé. Toutefois gagné plusieurs zones nous connaît qui yo même toujours difficile d'accès, donc Croix-de-Bouquet, un peu le monde passé fête là en dehors de la Caillou, même genre ça arrivait pour Martissant, pour probablement Sité Soleil, parce que les gens qui courent quitter la Caillou dans zone ça, dans zone Torcel également, c'est pareil. Donc situation n'a pas changé, c'est même tableau, même configuration, bandio qui toujours occupé une bonne partie dans territoire. Et Port-au-Prince seulement, et, en tout cas Port-au-Prince pas seulement côté qui était gagné, monde qui t'a essayé profiter de ces fêtes fin d'année, et gagné ça qui dans province surtout, il y a monde qui déplacé, ou t'es déplacé, Pierre Ronald ou même, est-ce que grand pile monde qui était capable de déplacer pour aller dans ville provinciaux pour aller garder à l'ouest famille, d'après essayer ouais ça avec correspondant nous qui eux même à vivre situation pour connaître comment fait l'entrée dans ville provinciaux et pour ça n'a pas commencé à parler avec Georges Valens qui est correspondant permanent nous dans Ville-au-Caille. Georges, bonjour. Bonjour Gabriel, bonjour Pierre-Étienne, bonjour Lydie, bonjour Jean-Milleur Timothée. Et nous saluons tout le monde qui a obtenu dans ces différentes stations radio dans ces deux pays, tant que Radio Le Bois FM au Caire, Radio Télé La Brise, dans Campéret, Radio Méridien, Radio Boule, et Radio Télé Simon International. Donc, à tout le monde qui a passé un moment capable de dire qui n'est pas trop correct, puisque pas gagné vraiment et activité guerrière dans le département, mis à part mais c'est traditionnel dans l'église catholique ou bien culte dans l'église protestante qui pas rempli, même gens Saté qu'on habite des fêtes, pas vraiment gain puis l'activité Jean-Dillan qui était organisée, mais pour faire ou bien commencement à Nissa qui c'est 2023 dans ce pays. Donc pas gain vraiment propre, troisième ville payant, toujours été ça la même fatia ou encore Rio qui crasait, directement sud-là qui s'est passé au fin avec une nouvelle année sans les courants électriques. Donc, depuis le gouvernement Tétaléo, région pas vraiment compilé 2 mois courants affilés dans une année. Ville-au-Caille qu'on est presque tout à 2022 qui se passe là, sans courant jusqu'à journée aujourd'hui à la Paléa là, malgré problème gaz nord, pas aucune autorité, quelle locale ou bien nationale, qui jambe pour l'enseigner sous avenir ou non EDH dans ce pays. En attendant, c'est ça qui suit, guerrier, réalité à montrer que réseau EDH dans ce pays n'a pas existé. Donc, à côté, on n'est pas jamais dit qui ça qui a fait à partir des questions courant électrique. Donc, dans ce sens-là, par rapport à question de doléances ou à ce qu'il y a un peu de monde qui vit dans le département. C'est sûr que oui, il y a un monde qui est surtout dans Port-au-Prince qui vit, mon venu c'est vrai, d'une passer jour là avec la famille en façon pour capable de respirer une autre l'air, mais mis à part de ça, pas de gagner en nous capable de dire qui fait vraiment. Et d'ailleurs, il y a un programme qui était gagné dans le local dans le week-end premier janvier, il était annulé, pas de vraiment comme excitation qui était bail, sauf que hier soir, il y a l'autre groupe qui était bien pour jouer dans la ville, comme nous, activité, nous capable de dire, mais pas vraiment, il y a ambiance, j'en monte qu'on ouais, ça, j'en sais qu'on fait, sauf que dans le cadre de 31 pour l'ouvrir 1er janvier, on était capable de garder en pile la fédération qui était tiré en façon pour être capable d'accueillir le nouvel an qui c'est 2023. Mais après, pas gagné un gros cas qui était enregistré dans le cadre de sécurité. Il faut que nous signalions ça dans le département pendant le moment cette fin d'année pour vivre début là, puisque la police n'a pas annoncé gagné un acte qui était enregistré, puisque ils n'ont pas fait aucune annonce dans ce sens, mais quand même, au niveau du département, pas de aucun grand incident qui était arrivé par rapport à cette en fin d'année, puisque nous dit que pas de gros activité quand même qui était faite un peu partout dans le département. Et puis rapidement pour nous dire, guerrier, pendant cette en fin d'année, et la police et la justice, donc 2 mois après l'assassinat d'Arites, ligne enquête qui a bougé là, côté de 2 personnes qui t'a arrêté dans quelle enquête là, selon la police avec la justice. Premier monde qui était arrêté, c'était dans le dossier assassinat alimentaire et mission politique dans la cour, c'était Wilkins Kinstiro-Jean, alias Pouchon, c'est service départemental police judiciaire SDPJ qui était l'été Messouli dans Ville-au-Caille, où il y a fait Noël passé. L'autre monde qui est arrêté, c'est Guerlain Hippolyte, qui joue la station le week-end 31 décembre passé dans rue Magloire, en Boise, Carrefour-Feuille, dans l'Ouest paysan, suite avec le mandat d'amener, qui est un substitut commissaire gouvernement, M. Joseph Baslet, qui est lancé contre Guerlain Hippolyte, dans le dossier assassinat de Tess Gary, qui a été joint de mourir, assassiné d'après, c'était 25 octobre Baslet 2021, 8 jours après qu'elle était fait dans portée disparue. M. Jean-Milleur Timothée, qui c'est un avocat qui était contacté pour défendre le monde qui a arrêté, a décliné, donc il souhaitait dans la correspondance que justice était capable de rendre sans pas souquer dans le CCI-là. Et puis rapidement, on a dit, les gens ça qui annoncé la justice dans le Ville-au-Caille, Patrick, tant de 5 anciens parlementaires avec anciens magistrats dernier jour, moi, il a passé à dans le département, ancien élu Sayo, selon ULCC, par exemple, fait déclaration patrimoine dans son temps. C'est ça que le commissaire du gouvernement juridiction au Calan qui fait ensemble invitation qui fait connaître tout les mêmes rendez-vous pour qu'il y ait répondre aux questions commissaire du gouvernement Ronald Richemont suite avec une correspondance unité lutte contre corruption ILCC en date en 26 août 2021. Alors parmi anciens députés qui étaient détendus, des jeunes Bertrand Sinal pour saluer Berthe Augustin, ex-député Capelé Malich, ancien magistrat Pierre-Étienne France, Ville-au-Caille, actif ancien magistrat commune la vache. Parmi les gens qui étaient invités au gagnant qui ne peuvent vivre du tout en Haïti depuis 4 ans, c'est car ancien député Capelé Malichan qui lui-même quitté Haïti même moment mondial qui finit actuellement l'Italie pasteur haïtien prêché aux États-Unis. Pour recadrer intervention ça Martin, puisque question guerrière était claire, nous pourrons regarder parallèlement à Port-au-Prince qui était en zone qui fermée, comment ça taillé dans les villes provinciaux, particulièrement dans le département Port-la côté MMT, d'ailleurs c'est où tu as cherché mais le privé. Mais maintenant, nous t'ai regardé ensemble, Georges Valens, il y a un pile monde qui t'a privé dans station et machine 4 chemins par rapport à jour qui sont passés aux destinations. C'était mon premier temps pour me dire famille, mais moun qui allait parce que t'as cherché un côté pour passer fête là, yo passer le Campérin, yo passer le Port Salut. Mais là tout, on a regardé au cas depuis crise là, venir une zone extrêmement difficile via une pichère par les courants. Donc comment on peut expliquer quantité moun nou te ouais yo arrivé passer fête là et fête bon fête fin d'année à sauver non au Caille en particulier. Ah oui Pierre-Étienne je vous fais remarquer là et Ville-au-Caille, c'est peut-être la ville, pas peut-être, c'est la ville la plus chère en Haïti, côté tout ça au besoin, c'est vraiment exagéré dans le prix par rapport à l'autre département qui vient dans le département. Nous-mêmes, nous avons constaté que, par exemple, pendant que Pagui, du tout, ça fait très longtemps, et prix produit, j'en ai de l'exagérer, on est capable de constater toute la limite quantité de monde qui était dans la rue, ou même comment que qui ça qui a prévenu, qui ça qui a fait, puisque on parlait d'activité, on parlait d'ambiance, on parlait qui ça qui gagnait vraiment, qui est capable d'activer monde dans la rue. C'est comme ça qu'on a dit, pendant que monde n'a pas de moyens, lui a cherché un côté pour capable enjoyer, en façon pour capable de libérer toute pression, tout stress qui gagnait dans lui-même, mais malheureusement, des activités, que ce soit ça qui était qu'on fait depuis longtemps, et soit par autorité locale, ambiance, autorité plaisir, ou pas ouais, ça, ou pas jouer ça, mais quand même, Mounio, t'étais à chercher nos activités, on capable de dire, même si pas bien là, mais vraiment, Pierre Renel et vie dans Wilkins, son vie qui est très chère, manger pour manger, c'est vraiment prio, capable de dire, mais les habitants sont apprenants, ils ont plat, comme dit, dans la rue en bas de la quelconque, ça a 2500 000 actuellement dans Wilkins, vraiment, ils ne sont pas bien minimum en 500 000. D'ailleurs, ça peut dépendre des couteaux absoutis, par exemple, sous absoutis dans une zone qui manque dans son propre taxi. Là, seulement, pour terminer, minimum 700 000 de façon pour qu'elle prenne son bras pour retourner après, puisque taxi, c'est 100 000, il y a plutôt distance, quel que soit côté non-sens. Donc là, on a que nous, ça, on s'y mange pour manger 11 fois. Et le matin, c'est même bagage, il faut qu'on soit capable de gagner un minimum 100 gouttes pour manger quelque soit ça ou quelque chose, que l'on spaghetti, par exemple, c'est comme ça, ou autre, et ce qu'après le bois même, c'est vraiment pour question jus, c'est exagéré. Donc, l'enseignement vient très cher dans le troisième ville pays. Donc, malgré ça, on pas gagné des décideurs, des mouilles, des autorités, surtout au niveau national, qui a pensé pour les gens, puisque c'est surtout au niveau des Martissants, comme le Sayo, même nous parler de l'argent qui est obligé à payer par bateau, tant qu'on gaz là, si vous apprenez l'État, on va payer 1000 à 1500 dollars américains pour transporter le gaz. Ça veut dire que dans pompe actuellement là, on est obligé de payer un gallon gaz, dépendamment de qui pompe qu'on y a, on va payer 900 gouttes, on va payer 800 gouttes, et puis on va payer le tout 1000 gouttes presque, l'autre gens à l'extérieur de la ville des Cailles. Donc c'est que chaque côté qu'on passait, prix des produits qu'on a acheté qui avant 100 gouttes, dépendamment de qui côté qu'on y est monté de zone. Donc c'est comme ça, ça y est, pas gagner un coup d'œil qui a fait, tant pour question transport, capable de chaque monde décider les gens qui voulaient, autorité n'ont pas agi sur ça, ça qui veut dire que c'est la population, même qui n'est pas capable, d'ailleurs c'est eux qui n'ont pas de moyens pour être capable de faire un lien, et c'est eux qui appliquent ces conséquences-là, pendant que pas de travail, d'où là, toujours été gens qui même Pichet n'est capable de dire par rapport à Mounio, puisque prix qui augmente toujours commerçant ou même 400 toujours à faire référence par rapport à dollar américain, que ce soit dollar par exemple café, qui est un but dans l'air, mais prix toujours tendance à monter parce que il fait prévision que 2000 capable d'une temps, après 2000 capable d'une temps, donc de ce fait, obligé à payer pour produits monter chaque jour, malgré qui baisse qui gagne dans le gazalène, qui baisse là, parce que en pile, soit commerçant ou du moins sans transport, il était toujours doublé, c'est parce que le gaz est vendu très cher, dans le niveau n'a pas payé $1,000, $500 à l'époque, mais prix toujours été gens, il y a une tendance plus, par exemple, si on prend au cas de un sac ciment, à vendre plus de $350 haïtiens, faut qu'on comprenne, ça veut dire, alors qu'il était augmenté par rapport à soit transport ou du moins à dollar américain, eh bien, au lieu pour le tagotant d'en soit stabilisé, ou du moins s'en faire un petit mot descendre, et de se monter, il y a tendance à monter chaque jour. Donc, pas de contrôle, pas de rien qui a fait, tout simplement, il dépend de monnaie qui apporte, vendre ça, le produit qu'elle gagne, et que la population elle-même continue à pas croupir dans une situation difficile au niveau des départements sud-là. si Georges Valens s'est renouvelé, quoi, c'est même réalité pour Jacmel, pour Jérémy, le Grand Sud pays. Merci beaucoup, Georges Valens, guerrier. Nous allons aller au Cap-Haïtien, côté où après nous avons un pile monde qui était quand même fait déplacement pour aller passer fin d'année avec famille. Peut-être c'est aéroport qui explique ça, un aéroport international sous au Cap-Haïtien, donc moun qui à l'étranger qui devait venir passer fête avec famille pas obligé de passer par Port-au-Prince. Oui, ou bien moun qui Port-au-Prince tout tu as aimé aller au Cap, le plus facile et c'est peut-être yo gagné choix entre passer par route là et ou bien aller et pas par avion. Donc, nous allons parler avec Donald Jaméich, Jean-Dillan, qui est correspondant permanent nous, dans le Cap-Haïtien. Donald, bonjour. Bonjour, Pierre-Étienne Tussel. Bonjour, Pierre-Ronel René. Bonjour, Johnny Ferdinand, le petit Alexandre. Bonjour et meilleurs vœux à tout le monde à la ronde bataille. Meilleurs vœux à tous les à Patrick Consignac, à toute l'administration, peut-être tout ça, le là, correspondant nous. Puis à tout auditeur, auditrice, internaute, radio. Oui, James, pas James, c'est plutôt Donald. Pierre-Renel, dans l'introduction là, tu fait quoi que gagner en pile les monde qui débarquaient au Cap, ils dit en pile blocus dans le centre-ville là. C'est vrai, autour, ils dit gagner et Fatra, mais Pierre-Renel t'a essayé de regarder qui ça qui expliquait présence en pile monde pendant fête d'année dans deuxième ville pays. OK. Donc, on est guerrier du seul, Pierre-Ronel, malgré turbulence, malgré mouvement crasé, brisé, qui était gagné, et nous avons dit pendant tout le mois, août, septembre, octobre, même mi-temps novembre, dans la ville Cap-Haïtien, mais automatiquement, le mouvement ça devient faibli, le mouvement ça devient bien, et la vie devient reprendre. Et ville Cap-Haïtien, malgré tout, est toujours étiquetée comme une ville qui gagnait. Un bon climat et sécurité malgré la rupture, mais un pile monde qui n'a pas payé. Au Cap, l'autre citoyen qui connaît et réputation de Cap-Haïtien gagnée comme une ville paisible malgré tout et qui gagne un aéroport international, et bien un pile des amis qui est dans le Cap-Haïtien qui si vous êtes rentré effectivement, c'est son tradition, malgré quelle que soit la situation, vous rentrez et qu'il y en a même qui est rentré avec des amis, malgré question de salubrité, elle est même vraiment, vraiment. Il n'est pas belle du tout, donc le tableau de Cap-Haïtien présenté n'est pas belle, mais il y a quelques zones dans le Cap-Haïtien, bon, malheureusement, c'est là toute autorité